évidemment du grand tennis et bas, le grand militant noir du 21e siècle. Il va s'asseoir. Mais avant qu'il ne s'asseigne, mesdames et messieurs, nous allons ensemble chanter l'hymne de la victoire, l'hymne du titanien, ce type qui fait trembler les dictateurs, ce type qui sera la cause de notre victoire. On va commencer ensemble avec le titanien, l'hymne de la victoire. Contre la paix, il n'y a et donc, il a cédé la place au jeune frère Mamadou Diallo qui est ici avec nous ce soir,
pour qui je vous demande également d'applaudir. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui sont ici présents, nous n'avons pas eu la chance de connaître Sankara. Nous avons entendu parler de son histoire, et si vous avez été tous là, peut-être que nous n'aurons pas laissé la chance à ces bourreaux de connaître leur perpétuité. Et la meilleure manière de rendre hommage à Sankara, c'est de pérenniser son œuvre. Et celui qui le présente aujourd'hui, qui est le plus grand héritier de Thomas Sankara avec nous, il s'agit bien évidemment de Kémi Séba. Nous devons l'accompagner et le soutenir. Nous devons porter son message. Nous devons être là pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Et c'est pourquoi vous allez effectuer le déplacement également pour être des nôtres ce soir. Et on va lui passer la parole. Et je sais que beaucoup d'entre vous, nous risquons l'envie de l'écouter. Et comme on le dit, quand le genou est là, quand la tête est là, le genou ne prend pas le chapeau. Permettez-moi de m'arrêter ici pour passer la parole à un défenseur de notre cause, le plus grand militant, qui a refusé le prix Maïk par moi, qui a refusé le prix Maïk par qui a dit que le combat aujourd'hui n'est pas encore gagné, et donc on ne peut pas célébrer des gens qui sont encore au combat. Et donc je vais lui passer la parole sous l'autorisation de lui. Alors, on va passer la parole à notre grand frère bien-aimé, Kémi Séba. C'est une date assez sacrée et c'est un mouvement assez solennel. Sankara est né ce jour. S'il vivait, il aurait 70 ans. C'est tellement important que Kémi a souhaité que nous donnions la parole au peuple à travers ses relais médiatiques. Il est plus normal pour nous de remettre la parole aux médias ici représentés et au fur et à mesure, Kémi livrera le propos essentiel. Merci infiniment, mon frère. Que la paix se soit pour tous. L'Afrique libre la mort. L'Afrique libre la mort. Je ne vous entends pas, l'Afrique libre la mort. Salutations aussi aux services de renseignement français qui sont dans cette salle. J'espère qu'ils peuvent écouter attentivement aujourd'hui. Comme l'a dit mon très cher frère Bayala, nous allons aujourd'hui inaugurer un nouveau processus de meeting. Suivant la maïotique du grec Socrate, pour une fois on va citer un occidental, nous allons nous servir des questions des médias locaux, des valeurs médias, pour en même temps tenir une allocution auprès du peuple et auprès de toutes celles et ceux qui nous suivent à travers les médias aujourd'hui ou les réseaux sociaux en direct. Après toutes les questions qui seront posées par les médias auxquelles j'aurai répondu, il y aura une allocution globale, parce que le but de notre présence aujourd'hui, on va l'expliquer d'ici peu de temps, dès que les premières questions des médias seront posées, Emmanuel Macron est venu dans la capitale de la France Afrique, en Côte d'Ivoire. Kémi Séba vient dans la capitale du panafricanisme, le continent. Nous n'avons pas choisi ce jour au hasard. Ce meeting qui nous voit connaître une salle remplie à rapport a été prévu en à peine 5 jours, 6 jours. Alors que généralement, on a toujours coutume de dire que pour qu'un meeting soit rempli ici, il faut qu'il soit préparé une semaine à l'avance. Mais ceux qui pensaient que nous ne serions pas capables de remplir cette salle oublient que la jeunesse des révolutionnaires du Burkina Faso est une jeunesse qui est prête à courir. De naissance de celui qui est notre père, de celui qui est notre grand frère, de celui qui est la voix à suivre. Et notre façon de le célébrer, ce n'est pas simplement d'allumer des cierges, d'allumer des bougies, ou de contempler un tableau à son effigie. Notre façon de l'honorer, c'est de combattre les forces qui l'ont fait assassiner auparavant et les forces. Et donc, nous allons donner la
parole à tour de rôle aux médias pour qu'ils nous interrogent sur les raisons de notre venue, notre objectif politique précis et ce que nous pensons de la situation du Sahel, du G5 Sahel, des prétendus présidents de cette région qui sont en réalité des personnes présidées par d'autres. Et après quoi nous rentrerons dans le but du sujet. Donc nous donnons la parole aux médias, je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci. Alors ça sera tout de rôle. Ceux qui ont des questions à poser, je vais poser des questions et les grands faire répondre directement. Merci. Les médias prioritaires. Monsieur le Président, je vous pose ta question rapidement. Ok, merci. Je suis Yamewo Alain. Je travaille pour le site d'information toutinfo.com. Ok, je dois à toutinfo.com. C'est un site d'information en ligne. Ok, merci. Ma question, tout le monde la devine déjà, c'est la lutte que Kenny Sieba et la jeunesse africaine a entreprise pour demander le départ des forces armées françaises dans le Sahel. Justement sur cette question, on a entendu la plupart des présidents concernés de cette situation et la tendance, on la connaît, c'est le refus, même s'ils n'ont pas dit ouvertement, quand même on a suivi un peu les uns et les autres. On pense que ce départ des forces armées françaises, ça ne sera pas pour demain. Alors, est-ce que la façon sur laquelle les choses vont, est-ce que Kémi Séba va essayer d'orienter la lutte d'une autre manière afin que l'objectif recherché puisse être atteint? Voici la question que je voudrais poser. Merci. Merci pour la question. Merci infiniment. On va répondre question par question pour aller le plus vite possible. La question que tu poses, mon très cher frère, sous-tend que l'objectif que nous souhaitons ne serait pas forcément atteint. Nous allons être très clairs. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, que des présidents africains se sentent obligés de se justifier auprès des sociétés civiles africaines sur la présence française, cela aurait été du domaine de l'impossible. Aujourd'hui, suite à nos mobilisations, et quand je dis nos mobilisations, je parle de la mobilisation de toute la jeunesse africaine, sous l'influence certes de l'urgence panafricaniste, mais aussi sous l'influence de toutes les forces qui sont déterminées à agir contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Ces efforts conjugués ont fait que tous les présidents africains en exercice de cette région se sentent obligés systématiquement de se justifier sur la présence des forces coloniales françaises. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à un point où le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est senti obligé de menacer une nouvelle fois les présidents du G5 Sahel en leur demandant qu'ils clarifient leur position vis-à-vis du sentiment anti-français. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un cycle de l'histoire où nous sommes plus proches de la rupture que du commencement de ce colonialisme-là. Les mobilisations conjuguées, les actions simultanées répétées, non pas à distance des clowns qui vous demandent de loin de risquer votre vie mais qui ne risquent rien pour vous, mais de ceux qui sont sur le terrain, qui sont prêts à saigner leur vie pour agir pour que notre peuple puisse être libre, ces actions simultanées ont fait qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent un prétendu sentiment anti-français n'a jamais été aussi puissant depuis la période des indépendances. Et ce n'est pas un sentiment anti-français en réalité. C'est un sentiment anticolonialiste. C'est un sentiment qui refuse, qui réfute la présence de forces militaires françaises sur notre continent, alors que ces mêmes forces françaises, lorsqu'elles ont des attentats de Daesh et de l'État islamique, ne demandent pas aux forces américaines de venir s'installer sur leur sol. Bref, c'est ce que je dis. Je suis d'accord. Mais lorsque Daesh attaque systématiquement, l'État islamique attaque systématiquement des endroits stratégiques en France, est-ce que vous avez vu la France demander
à l'armée américaine de venir sur place et de stationner du côté de la Tour Eiffel, de stationner du côté de l'Elysée, etc. Non. Parce que la France est un État qui déclare être un État souverain. Mais il est intéressant de souligner que Macron a le principe de souveraineté à géométrie variable. Lorsque c'est pour parler de sa souveraineté, il n'appelle personne à venir le soutenir. Mais lorsque c'est pour les Africains, il ne demande pas si les Africains veulent être soutenus, il vient s'installer parce que la vraie raison, c'est laquelle ? Tout le monde sait que la France ne vient pas pour la stabilité et la sécurité au Sahel. Quand même, soyons un minimum sérieux. Quand vous lancez une entreprise, si vous prenez des conseils, vous allez prendre des conseils d'une entreprise qui a déjà réussi, vrai ou faux ? Mais la France est partie en Centrafrique. Est-ce qu'elle a résolu le problème, justement, des guerres qu'il y avait là-bas ? Oui ou non ? La France est partie en Syrie. Est-ce qu'elle a, elle a résolu le problème de la Syrie ? Oui ou non ? La France est partie en Libye. Est-ce que elle a réussi à régler le problème en Libye ? Alors pourquoi voulez-vous qu'on demande à une entreprise qui a raté tout ce qu'elle a fait ? Donc, qu'elle vienne nous donner des leçons sur comment nous protéger alors qu'elle n'est même pas capable de se protéger elle-même. Ils souffrent fou. N'osent pas dire au président Macron
ici à la presse, il pourra le reconstruire. Donc ils sont, quand ils sont avec le peuple, ils soulèvent la jupe, mais quand ils sont avec la France, ils se déshabillent complètement. À un moment, on pourra choisir le peuple. C'est l'heure de briser les tabous aujourd'hui. Issoufou a déclaré que les personnes qui critiquent la présence française n'ont pas le courage eux-mêmes de risquer leur vie sur le front contre le péril de l'État islamique, sponsorisé par les forces néocoloniales occidentales. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dit de manière stratégique? Parce que j'ai vu certains nègres sortent mon art complètement aliénés, nous dire que vous ne réfléchissez pas quand vous dites ça, c'est trop dangereux, mais ne comprenez pas que chaque mot que nous posons est un mot pensé. Nous avons déclaré que puisque M. Issoufou déclare que ceux qui critiquent la présence française ne sont pas prêts à risquer leur vie sur le front, nous avons dit, nous autres, qui en chose panafricaniste, que nous sommes prêts s'il le faut, pour élargir la demande du président Kaboré, qui avait demandé à des volontaires de s'inscrire dans l'armée, que nous sommes prêts à être formés militairement. Nous autres, civils, volontaires, panafricanistes, pour apporter notre aide substantielle, quelle qu'elle soit, que ce soit une aide sur le terrain de l'enseignement, que ce soit une aide sur le terrain de la contre-information, ou que ce soit une aide sur le terrain d'être, pour les meilleurs d'entre nous, sur la ligne de front. Comme nous avons énoncé ça, nous ne l'avons pas fait de manière suicidaire, mais parce que nous voulons mettre le président Issoufou dans ses responsabilités, parce qu'il ne va pas pouvoir justifier éternellement. Je dis bien éternellement, la présence française en disant que les Français font ce que les Africains n'osent pas faire, c'est faux. Les Africains sont prêts à défendre leur peuple depuis des siècles, mais on ne laisse pas la population, la jeunesse africaine, s'organiser pour défendre nos nations. Est-ce pas ce que je dis? On affame nos armées, on les désarme complètement, et après on leur dit, allez au front. Et dans le même temps, l'armée française surarmée n'est pas capable elle-même d'endiguer un problème. Que nous autres, volontaires de la société civile, nous autres militants panafricanistes qui ornons cette salle, et toute la jeunesse panafricaniste qui nous regarde actuellement, nous leur disons que si les autorités du G5 Sahel ne prêtent pas oreille, ne prêtent pas oreille aux demandes de la jeunesse africaine qui veut lutter contre le terrorisme exogène et endogène. Et quand je dis terrorisme exogène, je ne parle pas simplement de l'État islamique, je parle de la République française qui est le plus grand terroriste sur le monde. Et je parle aussi des terroristes endogènes, que sont nos présidents africains, qui sont très forts pour mitrailler, pour tirer sur la population, mais qui sont toujours faibles pour lutter contre les forces extérieures. Quand vous voyez un petit comme Macron qui a mon âge, qui est capable de faire du boutique, qui est capable d'entraîner les présidents africains à faire du twerk devant lui, à faire du paparabat devant lui, je me demande si ces présidents sont des présidents africains ou s'ils sont des esclaves volontaires de la planète française. Donc, pour conclure la réponse à des questions, je dirais simplement mon frère, quelle est l'orientation politique qui est la nôtre face aux étapes connaissons à l'heure actuelle, nous le disons, 2020 sera une année à la fois politique, à la fois de discipline civile, une année de formation théorique, militaire, économique, sur un certain nombre de terrains, et nous avons beaucoup d'alliés qui sont prêts à nous accueillir si les autorités africaines ne sont pas prêtes à nous aider pour nous organiser, pour défendre nos populations. Et qu'il soit clair, si on tend la main aux dirigeants africains et qu'ils ne prennent pas cette main, ils feront eux aussi partie des forces que nous ciblerons demain, quand il parlera. Merci. On va prendre une autre question par ici. Non, il y a la presse. La presse. Bonsoir. Je suis Jean Ismaël Nabolé de Boutine 24.com. Voilà. Bon. Le début de ma question a un peu été pris en compte. Il s'agit des problèmes internes. Voilà. À chaque fois que vous jetez un peu la pierre à la France, vous avez un peu bossé par rapport aux dirigeants qui souvent ne sont pas aussi internes que cela. Nous avons par exemple ici au Burkina une situation. Nous sommes dans une transition. Il y a eu
On a eu un premier ministre en l'occurrence Isaac Sida, qui est militaire, formé, mais actuellement qui est en fuite, qui est au Canada. Voilà. Déjà, que pensez-vous de cette situation? Et est-ce que vous pensez que nos armées actuellement sont capables d'indiquer ce phénomène de terrorisme? Merci pour cette question, mon cher frère. Alors je précise d'emblée que nous sommes les premiers à ne pas dire que tous les problèmes viennent de la France. Parce qu'il y a un proverbe que notre ONG répète toujours, qui est qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de le dire aussi. Il faut qu'on le précise. Et c'est pour ça que nos présidents africains nous persécutent de cette façon. C'est parce qu'ils savent que nous les ciblons en priorité. Et même la France que nous combattons nous attaque moins directement que les présidents africains, nous devons le préciser. Mais là, en ce qui concerne les corps constitués des armées, Thomas Sankara disait qu'un soldat qui n'a pas la connaissance de soi et la connaissance du monde dans lequel il est installé est un criminel en puissance. Eh bien, nous répétons, à contrario, qu'un soldat qui a la connaissance de lui-même et une connaissance géostratégique et géopolitique affûtée est un guerrier de son peuple en puissance. Vous avez parlé du président Isaac Sida. C'est à la population du Faso de déclarer quel est son point de vue sur ce dernier. Mais je vais quand même donner mon point de vue. Le président de la Corée qui m'avait reçu l'année dernière, mais qui a eu trop peur de me recevoir cette année. Il faut le dire. L'année dernière, c'était à une fois que je rencontre que je ne sais pas. Mais cette année, depuis que Macron, le petit Macron, a tapé sur la tête de le papa, tout le monde marche comme un roi et se tape et se tait. Il faut qu'on puisse le dire. Donc, M. Caboret, vous verrez sans doute cette vidéo, je suis triste que vous puissiez être téléguidé par un petit qui a l'âge de votre fils. Aucune
parce que celui qui est à la tête de notre État n'a pas le courage de prendre ses responsabilités. Je prie les ancêtres que ce ne soit pas le criminel de Camporé qui soit autorisé à revenir, mais n'importe qui d'autre, à part Caboré et à part Camporé, sera beaucoup plus valable à la tête de ce pays si Camporé continue de démissionner de son rôle. Merci infiniment. Autre question. La presse d'abord. Il n'y a plus de questions de la presse. On était en train de se on est venu en train de et on va demander à la cabine technique de régler la qualité sonore, s'il vous plaît. La cabine technique. Ok, il n'y a plus de questions de la presse. La presse a été intimidée. Il n'y a pas de problème. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a d'autres qui veulent poser des questions, je ne sais pas. On va faire en deux séquences. Ok, d'accord. On fait une allocution maintenant, et après, il y aura les questions-réponses du public, parce que nous sommes dans une réunion familiale. Nous sommes dans une réunion de résistance et de résistance. Et toutes les idées sont bonnes à prendre. Tant qu'elles sont faites et énoncées dans un cadre de fraternité, je n'ai pas la fraternité. Comme nous l'avons dit en introduction, si nous sommes venus en cette journée sacrée qui commémore la naissance du président Thomas Ezeudor Sankara, c'est parce que nous pensions qu'il était plus que jamais nécessaire en cette période de crise historique que connaît le Sahel, non seulement de marquer notre présence sur le terrain, mais de donner aussi une alternative au drame qui se passe à l'heure actuelle dans cette région, et plus particulièrement à l'heure où nous parlons en Côte d'Ivoire. Nous avons vu Emmanuel Macron, accompagné de ses nègres de maison, Didier Drogba. Oui, je le dis. Parce que quand mon très cher frère Didier, que j'ai aimé de toute mon âme quand il était footballeur, est capable d'accompagner le président des forces coloniales françaises en Côte d'Ivoire, je me dis que Didier Drogba a perdu la mémoire par rapport au devoir qui devait être le sien. Emmanuel Macron vient, rencontre Alassane Dramatique Ouattara. Excusez-moi, Alassane Draman, pardon. Ça n'a pas été fait exprès. Et même le drame ne mérite pas d'être accolé à Alassane Ouattara. Le drame est plus fort. Lorsque Emmanuel Macron va à la rencontre d'Alassane Draman Ouattara, que personne ne se trompe ici, c'est une réunion qui est faite pour planifier la recolonisation complète du Sahel sur plusieurs siècles, qu'on le veuille ou pas, ne vous trompez pas sur cette démarche-là. Emmanuel Macron vient dans un cadre bicéphale. Il a choisi stratégiquement la Côte d'Ivoire, puis le Niger. La Côte d'Ivoire pour, quelque part, pouvoir redynamiser la prétendue alternative au franc CFA, qui en réalité est un franc CFA déguisé et habillé d'une nouvelle façon qui s'appelle l'écho. Il dit que sous prétexte que Alassane Ouattara est le président de l'UMOA, il aura la responsabilité d'effectuer une sorte de changement cosmétique du franc CFA. Alors il y a une question que je vais poser au peuple. Est-ce que nous nous sommes battus? Est-ce que nous sommes allés en prison? Est-ce que nous avons été déportés de nos pays? Est-ce que nous sommes surveillés par la police parce que nous avons demandé à ce qu'il y ait un changement cosmétique du franc CFA, ou nous voulons une fin définitive et complète du franc CFA? Je vous pose la question. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Qui ont quand même, il faut le préciser, permis que nous arrivions à une période historique où le continent africain, pour la première fois, a réussi à placer la thématique de la souveraineté monétaire à une échelle internationale. Et ça, c'est grâce à vous. Vous êtes les premiers responsables aujourd'hui, il faut le dire. Au
Aujourd'hui, nous voyons la prétendue intelligentsia africaine, les nègres sorbonnards. C'est comme ça que je les appelle. Les premiers qui se moquaient de la jeunesse africaine lorsque celle-ci se mobilisait. Ces prétendus intellectuels africains taxaient la jeunesse africaine de populiste, taxaient la jeunesse africaine d'excité. Et quand ils ont vu que notre combat a pris une ampleur internationale, les mêmes qui se moquaient de nous ont commencé à l'exploiter, Radio France Coloniale, RFI, pour dire qu'ils étaient du côté de ceux qui luttaient alors qu'ils n'ont rien fait à leur côté. Ils nous ont craché dessus au moment où nous avions besoin de leur solidarité. Eux aussi, on ne les oubliera pas. Lorsque ces mobilisations étaient faites, de telle sorte que, jusqu'à l'Union Européenne, qui elle aussi a une part de responsabilité dans tout ça, puisque le franc CFA étant arrimé à l'euro, l'Union Européenne est concernée plus que jamais parce que nous connaissons, parce que nous vivons. L'Union Européenne, des pays d'Amérique du Sud, des pays asiatiques, des pays arabes, la planète entière a commencé à parler de la question du franc CFA. Tout le monde comprend que c'est un problème colonial, néocolonial. Mais la seule force qui fait semblant de ne pas entendre, c'est Emmanuel Macron. Alors nous disons à Emmanuel Macron que peut-être il faudrait qu'il demande le saut d'automne de sa femme, qui a du mal à entendre, qu'elle lui prête justement l'appareil auditif pour qu'Emmanuel Macron puisse entendre la voix, la douleur, la colère de la jeunesse africaine. Mais ça serait une perte de temps. Parce que quand nous disons systématiquement, ils finiront par comprendre. Les ignares, les ahuris pensent que nous parlons des blancs. Nous ne parlons pas des blancs. Nous nous foutons de savoir si Emmanuel Macron comprend ou pas notre mobilisation. Nous parlons des nôtres qui font semblant d'avoir la surdité, qui font semblant de ne pas comprendre ce que nous disons, et des autres qui ont été tellement aliénés par l'impérialisme occidental qu'ils pensent que la vérité doit sonner blanche et que si ce sont des noirs qui disent qu'ils veulent être indépendants, cela ne peut pas être matérialisé parce que le noir, c'est connu, n'a pas de raison. Et selon leur paradigme, il n'y a que l'occidental, que l'homme blanc ou la femme blanche qui a la possibilité justement d'avoir raison. Eh bien, nous disons à ces derniers que 2020 va être une année où nous allons passer cette fois-ci non plus à la contestation symbolique, parce qu'ils nous ont poussés à cela. Nous allons passer du symbole au matériel. Nous n'avons plus de choix. Nous sommes le peuple le plus tolérant de la planète. Absolument. Nous sommes le peuple le plus accueillant de la planète. Ils nous giflent et on les prend dans le bras. Ils nous tuent et on va pleurer avec eux. Il y a des attentats chez nous, ils ne viennent pas chez nous pour commémorer. Mais il y a une personne ou deux à peine qui meurent chez eux, et vous avez tous les présidents qui viennent, africains qui viennent commémorer chez eux. Il y a un moment où il faut qu'on cesse cette plaisanterie. La jeunesse africaine a décidé de prendre son destin en main et de ne plus attendre qu'un ministre ou qu'un président ou qu'un député nous donne l'aval d'agir. Nous allons agir par nous-mêmes désormais. Les Américains ont colonisé l'Iran, ainsi que les Français et d'autres, pendant un certain nombre de temps, en collaboration avec le Alassane Ouattara local, qui était le Shah d'Iran. Mais il est arrivé un moment où l'Iran, qui n'est pas forcément un modèle sur le terrain, que ce soit religieux, culturel ou autre, ce n'est pas mon problème, je ne peux pas m'installer là-bas, mais je m'inspire politiquement de tout ce qui est fait. Il est arrivé un moment où la révolution iranienne a fait en sorte qu'ils ont été obligés de prendre d'assaut l'ambassade d'Amérique. Eh oui. Parce que parfois, pour que certains comprennent qu'on ne veut plus d'eux, il faut se rendre à leur domicile et leur dire nous ne voulons plus de vous. Les Algériens ont dit à l'impérialisme français, la valise ou le cercueil. La France est partie. Mais la vraie question à se poser, quels sont ceux et quelles sont celles parmi nous qui sont prêts à perdre leur vie pour que la population puisse être autodéterminée? C'est une question aujourd'hui qu'on doit être capable de se poser. Je suis le premier. Quels sont celles et ceux?
ne sera pas prêt à perdre le peu qu'il a pour sa souveraineté, la France pourra continuer à dormir sur ses deux oreilles, dans son lit ou dans son hamac. Tant que la jeunesse africaine se limitera à la dénonciation de façade, ne sera pas prête à passer à un autre stade de la contestation. Le colon, il dormira sur ses deux oreilles. Et donc je vous dis, nous savons tous où se trouvent les ambassades de France. Nous savons tous où se trouvent les centres culturels français. Nous n'avons pas la violence, parce que je vois déjà les services de renseignement dire que c'est pas appel à la violence. Nous ne sommes pas des macaques, des gorilles qui ne réfléchissons pas. Nous sommes un peuple qui prône la non-violence. Nous sommes très civilisés, mais nous sommes un peuple qui prône aussi l'intelligence. Et si quelqu'un vient taper votre mère devant vous, vous n'allez pas dire à cette personne qui tape votre mère, je suis non-violent, je ne veux pas te toucher. Et notre mère s'appelle l'Afrique. Et il y a des gens qui sont des violeurs de notre mère. Des gens qui feraient le plaisir à violer et à tirer les ressources de notre mère. Et nous sommes là en disant ce n'est pas bien, mais on ne les touche pas. Il est temps d'attraper les gens qui violent notre mère. Et de dire à ces derniers, que s'ils continuent à faire souffrir notre mère, nous allons leur faire connaître nous aussi l'enfer. Parce que l'autodéfense est un principe universel. Universel. Le français FA, ce n'est pas du terrorisme. Est-ce que c'est du terrorisme ou non? Les bases militaires françaises, ce n'est pas du terrorisme. La France-Afrique, ce n'est pas du terrorisme. Comment osent-ils nous parler des autres cinglés de Daesh alors qu'eux-mêmes sont pires que Daesh aujourd'hui? Oui, je le dis. Je ne suis pas en train de faire une préférence en disant que je préfère l'un aux autres. Si on me donne le choix, je me battrai contre l'un et l'autre. Mais qu'on ne me fasse pas croire que parce qu'il y a le péril islamiste, je dois fermer les yeux sur le péril pluriséculaire qui n'a pas cessé de saigner notre continent depuis des siècles. Les deux sont à combattre. Et la seule façon de leur faire comprendre que nous ne voulons plus d'eux, ils le comprennent déjà. Mais pas suffisamment. Vous avez vu les reportages ces derniers temps sur ce qu'ils ont appelé aujourd'hui le French bashing. J'ai rigolé. Le French bashing en anglais, c'est la persécution française. Aujourd'hui, ils accusent la jeunesse africaine de faire de la persécution anti-française. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que nous lançons des drones sur la population française? Oui ou non? Est-ce que nous installons nos bases militaires du Burkina Faso à l'Elysée? On n'aura même pas de quoi payer l'avion pour aller là-bas de toute façon. Puisque nous sommes, à cause des plans d'ajustement structurel, limités dans tout ce que nous faisons. Ils nous assèchent, ils nous étranglent, ils nous asphyxient. Et après, ils viennent nous dire qu'ils nous aident. Nous ne voulons plus de leur aide. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui veut choisir ses alliés. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui comprend ce que signifie le mot géostratégie. Moi, je me sens plus proche de Cuba, de la Russie, que de la France de Macron. Je le dis très clairement. Et dire cela ne doit pas nous empêcher d'être très précis dans ces alliances, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi. Moi, je vous le dis avec clarté et simplicité, même la Russie dans l'avenir ne sera pas un allié éternel pour le continent africain. Parce que le seul messie de l'Afrique, ça ne sera jamais Poutine. C'est l'Afrique elle seule, c'est l'Afrique elle seule. Mais le fait d'avoir fréquenté l'Occident nous a fait comprendre depuis des siècles que le proverbe divisé pour régner peut aussi être intelligent. Et quand vous avez des forces qui ne s'entendent pas entre elles, il faut que l'on soit stratège pour jouer les forces des contraires.
les adversaires de nos adversaires à intensifier la guerre. C'est de la stratégie politique. C'est des mathématiques. C'est de la physique. Vrai ou faux ce que je dis? Nous sommes allés, il y a quelque temps, remettre aux députés du mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement de centre-gauche, certains analphabètes politiques les ont qualifiés d'extrême droite parce qu'ils ne comprennent rien à la politique. L'extrême droite, c'est Salvini. Et ils se sont séparés des Salvini. C'était un gouvernement de coalition. D'accord? Mais le mouvement 5 étoiles nous a reçus. Ils nous ont proposé même des valises de l'argent. On leur a dit, mais vous, dès que vous voyez des Noirs, vous voyez qu'on veut de l'argent, on ne veut pas de votre argent. Ce que nous voulons, c'est que le dossier sur la France-Afrique que nous vous remettons, vous le rendiez public à l'échelle européenne. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les pizzas. Nous ne sommes pas venus parce que nous aimions les spaghettis bolognaises. Nous sommes venus parce que nous avons compris que l'Italie et la France avaient quelques petits contentieux ponctuels. Et de la même façon que nos adversaires sont venus chez nous accentuer les tensions qui existaient entre nos différentes ethnies, nos différentes tribus, nous sommes aussi intelligents et stratèges pour accentuer les tensions entre eux pour créer des crises diplomatiques. Et ça, toute la jeunesse africaine l'a compris. Mais certains ahuris, certains nègres complètement occidentalisés, ont dit qu'Emi Sali a des méchants italiens, a des racistes italiens. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Que quelqu'un dise qu'il n'aime pas les Noirs, tant qu'il n'est pas au pouvoir, ça ne me dérange pas. J'ai le droit aussi de dire que je n'aime pas la personne qui ne m'aime pas. Mais aujourd'hui, nous avons en France un président qui se dit humaniste, qui se dit être un apôtre de l'universel et qui est le prolongement du colonialisme. Nous avons connu un président, Thomas Isidore Sankara, notre légende vivante, qui a été assassiné sous le règne, je ne dis pas sous la présidence, je dis sous le règne du président François Mitterrand, prétendu humaniste de gauche, socialiste. Cela doit nous faire comprendre que quand on parle d'impérialisme, quand on parle de néolibéralisme économique et sociétal, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a que des personnes qui sont des outils du capitalisme dérégulés, d'accord, et qui sont prêts à tout pour nous asphyxier. Et bien face à ces derniers, notre réaction est de dire que nous allons voir toutes les forces qui sont les adversaires de ces derniers et nous allons nous rapprocher pour tuer nos deux. J'ai été en Russie plus de 13 fois cette année. Je ne suis pas allé parce que j'aime mettre des gros blousons et des bonnets. Le temps est très désagréable là-bas, c'est le cas de le dire. Et il faut aussi qu'on précise que notre peuple n'est pas aimé là-bas par les Russes. Parce qu'il faut aussi casser ce mythe qui présente la Russie comme l'amoureuse éternelle de l'Afrique. J'ai un ami que j'aime profondément en Russie, l'un des conseillers de Vladimir Poutine qui s'appelle Alexandre Dougin. Intellectuellement, je suis très proche de ce dernier, politiquement aussi. Mais à l'exception de ce dernier qui a une vision politique, humainement, les Russes ne sont pas des grands amoureux de l'Afrique. Ils ont besoin d'occuper un espace et d'avoir une alliance stratégique qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de poids face aux sanctions qu'ils connaissent. Nous devons nous allier en étant très lucides sur tout ce qui se fait. Très lucides. Je vois des Africains qui viennent avec le t-shirt de Poutine. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je vois des gens qui disent Poutine pour l'enfer. Non, mon frère. Poutine est un héros pour son peuple, pas pour les nôtres. Mais, face à l'impérialisme occidental, et de manière, je le précise, ponctuelle, Poutine est un allié stratégique pour nous contre la présence française. Et d'ailleurs, les Russes ne sont pas venus nous contacter parce qu'ils aimaient la gueule de Kémy Séba. Ils nous ont contactés parce qu'ils connaissent notre influence au sein de la jeunesse africaine. Et ils ont compris qu'en alliant les forces souverainistes africaines avec la Russie, ça serait tout bénéfique pour eux. Mais moi, je vous le dis très clairement, nous menons ce combat contre la France. Impérialisme aujourd'hui, et nous sommes solidaires du prolétariat français, des gilets jaunes, etc. Mais quand nous aurons fini avec les Français, nous nous occuperons aussi des autres.
penser. Nous sommes des Africains libres. Nous n'avons pas de parents. Les seuls parrains que nous avons, ce sont nos ancêtres. Les seuls maîtres sont nos ancêtres. Et donc la Russie, à l'heure actuelle, se frotte les mains du sentiment anti-français. Et nous les comprenons. Mais qu'ils sachent que la vie, c'est un château de cartes. Ça commence par la France et ça finira par tous ceux qui veulent voler les ressources africaines sur le continent. Dans cette stratégie, nous sommes alliés à toutes les forces qui avaient justement ce problème avec la France. Cuba, l'Iran, la Russie. Et ponctuellement, ça a duré 2 semaines, l'Italie apprend à jeter les Italiens. Et la France s'est dit, ces petits nègres commencent à nous poser problème. Et la meilleure façon pour la France à un problème avec les petits nègres, ce n'est pas que la France les attaque directement, parce qu'elle sait que dès lors qu'elle va faire ça, le sentiment anti-français va connaître un niveau inégalé dans l'histoire. La meilleure façon qu'ils ont de persécuter les nègres qui les dérangent, c'est de prendre d'autres dirigeants nègres qui travaillent pour eux. Et ces dirigeants nègres, vous les connaissez. Bravo. Il y a le maquillage sale de la période. Il y a le fou du Niger. Quand nous parlons aussi, certains se disent que oui, ce sont des élites, tu dois les respecter. Attention, le travesti, c'est pas la tradition. Dans la tradition africaine, on dit qu'on doit respecter les élites qui sont respectables. Mais il n'a jamais été dit que nous devons respecter les élus qui assassinent notre propre peuple. Jamais. Les cons vieillissent, c'est le cas de le dire. Et les meilleurs meurent souvent jeunes, malheureusement. Mais nous ne devons pas inverser cette tendance. Pendant des années, ils se sont crus les plus puissants. Mais nous avons montré, sans armes, sans violence, que nous étions capables d'imposer notre agenda à l'échelle internationale. Eh bien, nous proclamons pour début 2020, et je ne vous le dis pas en étant caché dans un autre continent, non, je suis sur un terrain avec vous, les centres culturels français. Nous devons nous organiser pour leur rendre visite régulièrement. Est-ce que je suis mort? Non. Je ne vous entends pas. Est-ce que je suis mort? Non.
pas mort pour autant. On m'a expulsé de 4 pays en Afrique. Dans le même temps, on laisse rentrer Bolloré. Dans le même temps, on laisse rentrer les forces militaires françaises. Mais ils expulsent les présidents, les militants africains. Est-ce que je suis mort pour autant? Il faut qu'ils comprennent que l'esprit qui nous anime est un esprit éternel. Ils disent, quand nous réagissons de cette façon, que nous sommes des excités. C'est intéressant. Quand un Africain voit ses ressources être pillées, quotidiennement, voit sa nation ou ses nations être appauvries continuellement, et qu'il réagit avec vigueur, on dit que c'est un excité. Quand un Africain est occupé militairement par multitude de forces étrangères et qu'il réagit avec sévérité, certains occidentaux et certains pseudo-panafricanistes, les prétendus intellectuels panafricanistes, et je parle d'eux aujourd'hui parce qu'ils font partie, comme le disait Sankara, les élites compradors. Ce sont nos ennemis eux aussi, ils travaillent pour l'impérialisme français, et cette pseudo-intelligentsia, il faudra s'occuper d'elle aussi à un moment donné, il le faudra. Ils nous disent, vous êtes des excités. Mais ce qui est intéressant, il suffit d'un attentat aux États-Unis pour que les États-Unis bombardent toute une région. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Il suffit d'un attentat en France pour qu'ils accentuent les chars d'assaut dans les pays arabes. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Et nous, on connaît 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois pire que ce qu'ils connaissent. Mais quand on réagit, on dit qu'on est émotionnel, qu'on est excité. On est des cinglés. Alors je ne comprends pas cette géométrie variable. Ce qui est bon pour Macron doit être bon pour nous. Ce qui est bon pour Donald Trump doit être bon pour nous. Quand Donald Trump dit America First, personne ne dit que c'est un raciste. Mais quand les panafricanistes disent l'Afrique d'abord, on dit que nous sommes racistes. Pourquoi? Parce que les Africains. Parce que l'Afrique a été programmé par l'impérialisme occidental afin d'aimer tout le monde à l'exception de lui-même. On doit aimer tout le monde. Vous allez au Sénégal aujourd'hui, le pays de la terre en gare, qui signifie le pays de la terre d'accueil, le pays accueillant, le pays chaleureux. Dans la ville de Sali, qui est la capitale africaine du tourisme sexuel pour les occidentaux, vous voyez des grands-pères blancs de 70 ans venir violer des gamines de 15 ans, de 14 ans. Là, c'était le pays de la terre en garde. Mais quand les panafricanistes se battent pour nos droits, ils sont soit incarcérés, comme mon frère et ami Guimar Lussania, soit expulsés et incarcérés, comme ce fut le cas. Alors il faut aussi se questionner. On finit par se demander si, au final, est-ce qu'on n'aime pas ça? Est-ce qu'on n'aime pas être violé au quotidien? Non, non, non. On ne peut plus continuer comme ça. Alors si on ne peut plus continuer comme ça, comme le dit très justement mon très cher frère, on doit être capable de durcir le ton. Les Français, et quand je dis les Français, je ne parle pas du prolétariat français, que l'on soit clair. Parce que certains gorille du cerveau, on dit, Kémy, tu es né en France, comment tu peux être anti-français? Je ne suis pas anti-français, comptable. Oui. Arrêtez de faire les idiotis du système. Je suis né en France comme mon frère Kylian Mbappé, comme mon frère Nicolas Anelka, comme mon frère champion olympique de Mioka. Je ne rêve jamais renier que je suis né en France. Je ne crois pas dans les livres des religions révélées. Mais juste à preuve du contraire, Moïse est né en Égypte. Mais il a fui, c'était son peuple. Frantz Fanon est né en France. Mais il a été du côté de la guerre d'Algérie pour libérer notre peuple contre l'impérialisme français. Nous faisons une séparation entre l'oligarchie française et
prolétariat français. Parce que la problématique que nous connaissons aujourd'hui, le néocolonialisme français, est une problématique qu'on peut élargir à tous les prolétariats du monde, quelle que soit leur couleur de peau. Ce n'est pas une question de noir contre blanc. C'est une question de prolétariser contre les 5%, ou du moins contre les 10% qui réunissent toutes les richesses. Et donc nous sommes dans cette démarche de nous allier à toutes les forces vives qui sont prêtes à tout pour renverser le système néocolonial occidental. Chacun fait sa part. Les Gilets jaunes n'ont pas connu le 10e de vos souffrances. Pas le 10e. Mais les Gilets jaunes paralysent la France chaque week-end. Est-ce vrai ou est-ce pas ce que je dis ? Alors, comment pouvez-vous m'expliquer que des Gilets jaunes qui ont réussi à se mobiliser uniquement parce que l'essence est devenue trop chère pour eux ? Eux, ils n'en auront pas 3 fois par jour. Eux, ils n'en auront pas matin, midi, soir. Mais, quand on a augmenté le prix de l'essence, on dit non, là, c'est trop, on paralyse le pays. Mais nous, on est appauvris. On est vidés de tout. Nous sommes persécutés politiquement, économiquement, culturellement, humainement, spirituellement. Mais nous continuons à être vis-à-vis de tolérants. Le mot tolérant a été inventé pour les Africains. Personne d'autre n'est tolérant sur cette terre sauf nous. Et on est tellement tolérants que l'on finit par tolérer l'intolérable. Aucun peuple de la planète ne pourrait accepter le millième de ce que nous faisons. Aucun peuple. Dans le monde arabe, il y a un racisme hystérique vis-à-vis des Africains. Hystérique. Et nous nous occuperons aussi tôt ou tard, chaque chose en son temps, de ces derniers. Tout le monde va prendre. Mais analysez la négrophobie qui, de toute façon, pour qu'on soit clair, la négrophobie est partout. Personne n'aime l'Africain et l'Africain ne s'aime pas assez lui-même. Il faut qu'on le dise aussi. Mais quand je mets de côté cette négrophobie structurelle dont nous reparlerons prochainement et que j'analyse les mouvements arabes ne jouent pas avec le martyr. On touche une partie de leur sol. Ils sont même prêts, s'il le faut, à envoyer leurs enfants se battre pour leur libération. Parce qu'ils ont compris, eux, que la mort est une étape. Mais on a l'impression qu'on est tellement attaché à l'Augusti Bouddha Tiki. On est tellement attaché à nos miettes de manioc. Quand nous parlons avec certains, ils se disent, ah non, Kémy, si on agit contre la France, qu'est-ce qui va nous arriver? On va tout perdre. Mais tout perdre, tu as perdu quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien aujourd'hui, mon frère. Quand je dis mon frère, il va perdre sa misère, c'est tout ce qu'il va perdre. Et je nous mets tous dans le lot. Nous devons être capables aujourd'hui de converger les forces. Il y a trop de mouvements, trop d'égo. Il y a des organisations qui sont créées depuis 5 mois et qui attaquent des gens qui militent depuis 20 ans. Ça aussi, ça ne peut pas durer. Des aventuriers, comme le dit mon frère. On doit être capable de transcender nos divergences, capable de transcender nos différences, capable d'aller au-delà de nos désaccords. Tout à l'heure, le frère a très justement parlé des désaccords qu'il pouvait y avoir avec le frère Hervé Ouattara, mais il a dit qu'au-delà de ces désaccords, face à l'ennemi commun, nous devons être capables de taire nos désaccords et d'avancer dans une seule voie. C'est la seule voie à suivre pour que l'on puisse faire la vie. La France
reconnaître ici que le petit Emmanuel Macron est un personnage objectivement pour un président français très stratège. Elle a compris cette France coloniale ou néocoloniale qu'elle devait réadapter son processus d'occupation de nos territoires en usitant de nouvelles méthodologies géostratégiques. Et elle a compris que la meilleure façon de nous coloniser, c'était de nous utiliser nous-mêmes. Nous avons parlé des dirigeants africains, on ne va pas le faire toute la vie. Mais on a parlé de l'élite intellectuelle africaine, on ne va pas le faire toute la vie. Mais il y a aussi d'autres canaux de communication par lesquels la France coloniale passe pour nous coloniser. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Ces médias, ils ne sont rien d'autre que des radios mille collines, l'équivalent de Rwanda, RFI. Je vois des Africains, certains Africains, ils sont pas majoritaires, mais qui sont prêts à tuer pour parler RFI. Vous ne vous rendez pas compte que RFI est la radio du néocolonialisme par essence? Que cette radio a été utilisée pour contrôler l'opinion des Africains? Et la meilleure façon de nous contrôler, ils ont compris qu'en Afrique, la culture a une importance sacrée. Et, merci mon frère, tu me vois venir. Et ils ont compris que nos artistes ne sont pas respectés à leur juste valeur sur le continent africain. Alors qu'est-ce que l'impérialisme français a fait? Ils ont créé une radio qui va faire valoir, qui va favoriser, du moins, les artistes africains. Et quand ils donnent des prix RFI à nos artistes africains, qui bien souvent au départ sont des artistes conscients des enjeux, quand RFI vous dit que vous êtes le prix RFI de l'année, même l'artiste qui est censé être révolutionnaire, quand il sait qu'il est le prix RFI, il sait qu'il ne doit plus trop attaquer la France Afrique. Est-ce vrai ou est-ce pas ce que je dis? Il y a des gens que je ne citerai pas parce que je ne peux pas être dans l'attaque à Dominem, mais vous les reconnaîtrez. Ils se disent être des héritiers de Bob Marley. Mais au premier prix RFI, ils commencent à dire bon, le problème, c'est pas que la France. Et c'est vrai, le problème n'est pas que la France. Vous autres aussi, artistes qui ont opté par RFI, vous êtes le problème. Et c'est pour ça que dans cette stratégie, une fois que ces artistes RFI sont cooptés par l'impérialisme français s'adapte pour nommer ces artistes à la tête de certains mouvements citoyens. J'en vois certains qui tremblent, mais je vais dire la vérité aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom. Ce n'est pas le but. Mais il faut que l'on comprenne l'ingénierie sociale du néocolonialisme français. Mon problème, ce n'est pas ces artistes-là, mais mon problème est que la jeunesse africaine comprenne quelle est la méthodologie par laquelle ils passent. Pourquoi certains Africains sont adulés par France 24 et RFI? Parce qu'ils ne dérangent pas les intérêts de ces derniers. Et pourquoi dans le même temps RFI nous fait passer systématiquement pour des racistes, pour des extrémistes, pour des excités? Parce qu'ils savent que nous dérangeons principalement leur famille. Malcolm X disait, si vous n'y prêtez pas attention, on vous fera passer les oppressés pour les oppresseurs et les oppresseurs pour les oppressés via leur médecin. Il faut qu'on s'en rappelle. Alors j'appelle à l'union sacrée, même avec ces artistes. Et je dis notamment à mon frère et ami, Didier Awadi, que vous connaissez ici. Didier, passe le message à tous tes frères RFI QLD. Il est temps aujourd'hui qu'on choisisse notre camp. Quand nous sommes dans une guerre politique, quand nous sommes dans une guerre sociale, nous devons resserrer les rangs. On ne peut pas être dans une voie et les autres sont dans une autre voie. Non, de la même façon. Il y a une sœur que j'aime profondément, c'est ma grande sœur, Nathalie Young. Et je suis pas sûr. J'aime cette sœur, on se connaît depuis très longtemps. Et ça continuera. Quand nous étions seuls sur la ligne de front, les coups étaient trop durs à porter. Depuis qu'elle est là, je ne suis plus seul à être accusé d'être né en Occident. Ça me rassure, ça m'arrange. Mais j'ai eu vent que ma grande sœur, et je lui dirai ce soir sur WhatsApp, que ma grande sœur a dit qu'elle était prête à discuter avec les autorités françaises. Eh bien, je vais vous dire une chose.
Le problème de la force de l'impérialisme réside dans le fait que nous n'ayons pas une ligne commune. Chacun va en rang dispersé. Quand on est en guerre avec un adversaire politique, à la limite, quand on élira un président, le président pourra, comme Sankara l'a fait avec Mitterrand, débattre fermement avec le président français. Mais on ne va pas aller en rang dispersé dans la société civile, parler avec le président parce que ça donnera l'impression que certains sont des fous, des excités qui ne veulent pas parler et que certains sont des gens de raison qui veulent parler. Nous disons simplement que nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous parlerons quand le divorce sera prononcé. Est-ce que c'est dur à comprendre? Quand un couple ne va plus ensemble, quand ils se disputent tout le temps, quelle est la meilleure solution? Le divorce. Le divorce. La France et l'Afrique. Le divorce. Depuis des siècles et des siècles, le mariage ne va plus bien. Les enfants se portent mal. Les enfants n'ont pas d'électricité au Niger alors qu'on nourrit l'électricité de la France. Les enfants ne peuvent pas vivre de leur or à Kidal alors qu'on nourrit l'or de la France. Nous disons que le mariage ne va pas et nous demandons le divorce. Est-ce que c'est difficile à comprendre pour les Occidentaux? Et quand nous parlons de divorce, nous ne parlons pas d'essentialiser à tous les Français ou à tous les Blancs. Nous serons solidaires avec la ouvrière française. Et nous sommes solidaires de la souffrance des Afro-descendants en France, dont je suis issu. Mais nous disons que nous reprendrons le dialogue avec l'impérialisme français ou avec les autorités françaises quand le divorce sera prononcé. Et si vous ne voulez pas comprendre le divorce par la raison, on devra vous le faire comprendre par la force. Les élections présidentielles arrivent prochainement dans ce pays. Dans combien de temps? En 2020. Nous sommes en fin 2019. Vous avez pu voir le bilan à l'heure actuelle du président de la République. Je ne vais pas parler à la place d'un patriote du fascisme. Mais j'ai entendu des notes qui parlent de 4 sur 10, de 3 sur 10. Certains parlent de 0. Quand notre bilan est en dessous de la moyenne, on doit prendre ses responsabilités et le changer d'une façon ou d'une autre. Mais avant de parler d'un candidat, il faut que le premier candidat au changement, ça soit la population du Faso et la population de nos pays de manière générale. La société civile doit se restructurer. On doit être franc et cru aujourd'hui. Dans le pays symbole du panafricanisme qu'est le Burkina Faso, aujourd'hui malheureusement la corruption n'est pas que à la tête de l'État. Il faut qu'on se parle avec sincérité et sincérité. La corruption est au sein de la société civile aussi. Certains n'ont pas voulu venir, mais c'est leur problème. La salle est archi remplie, on est peut-être à 800, 900 personnes aujourd'hui. Et je vous remercie. Mais certains n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont dit que nous, on se déplace si on est rémunéré. Et je les ai regardés, j'ai dit, mais attendez, vous avez besoin d'être rémunéré pour sauver votre terre qui est colonisée, mais restez colonisés dans ce cas, on va nous libérer. Nous sommes arrivés à un stade de corruption si grand que tout se connaît. Mais il faut que ces gens-là comprennent que le vent nouveau souffle sur l'Afrique et qu'il y a une nouvelle génération de citoyens africains qui ne veut pas être dans la corruption pour être dans la logique d'autodétermination. Elle veut s'autodéterminer par tous les moyens à disposition. Elle ne court pas après l'argent. Elle construira sa propre richesse en contrôlant les propres ressources de son sol, de son pays. On ne peut pas reprocher à ceux qui sont
nous sommes ici. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas toujours dire que le problème, ce sont nos dirigeants ou la France. On l'a dit tout à l'heure, une civilisation est détruite par le haut si elle est déjà détruite par le bas. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Même à cette table, à cette tribune, les femmes sont une majorité de notre population. Je n'ai pas constitué le bureau, la table ronde ici présente. Pourquoi il n'y a pas de femmes autour de moi à cette tribune? Je suis là. Alors viens, ma soeur, lève-toi. La qualité sonore.